Bonsoir à tous. L'actualité en 20 minutes. Nous guette un titre. Nouveau record national dans 110 mètres et par Mauricien Jérémy Lara Rodeuse. L'IFIN améliore son propre record par 10 centièmes hier dans la Suisse. Saison exceptionnelle et historique pour Manchester City, couronné champion d'Europe hier après finale contre Inter Milan. Ban Citizens in fait tripler sa saison-là, Ligue des Champions, Premier League et FA Cup. Les papes François inzoignent une délégation chagossienne dans Vatican mercredi dernier. Lydia qui zote le bon cimé concernant décolonisation Maurice et que retour ban chagossien l'eau zotil natal. Et puis Déo, 25 morts et que 145 blessés dans Pakistan après gros lapli et aussi gros inondation. Madame Issier, bonsoir. En athlétisme, hier, pendant meeting international de Genève dans la Suisse, Mauricien Jérémy Lara Rodeuse inaméliore record national Maurice pas 10 centièmes encore une fois. Un nouveau record moins qu'une semaine après qu'il y ait amélioré ce record national dans 110 mètres et dans Nantes. Pendant finale, Jérémy Lara Rodeuse fin fait un chrono 13 secondes et 55 centièmes. Et il fin prend 3e place. Retour, l'OSA, nouveau record. Exceptionnel, c'est comme ça qu'il est capable de qualifier performance Jérémy Lara Rodeuse à ban dernier temps là. Dans finale, 100 mètres et ça samedi 10 juin là, dans meeting international à Genève, dans Suisse, ça Mauricien là, qui est à 22 ans, fin améliore son record national. Pour la 2e fois dans une semaine, il fin fait ça. Et qu'encore une fois, par 10 centièmes, son nouveau chrono, 13 secondes, 55 centièmes. Dimanche dernier, mon rappelou, il y réalise 13 secondes, 65 centièmes dans Nantes. Jérémy Lara Rodeuse fait continuer à améliorer les temps illustre Judex Le Fou, qui est détenteur record national à 110 mètres et pendant plus de 20 ans. Manu Dia, jamais 203, nouveau record national, tient une compétition Marie élevée et me finit sur le podium. En 3e position, franchement, les teams Marie Dia. Et surtout, tu as une compétiteur qui a le vie. Tu as beaucoup d'athlètes qui ne font les séries lors des JO. Et là, mon père galbe contre eux, mon père gagné. Là, nous, quand tu gagnes la tête aux épaules, quand tu m'en sors lit, quand tu es en train de dire. Et là, ma prochaine compétition pour le week-end prochain. L'objectif pour la même, et c'est à plus vite que mon capable. Pour rappel, Jérémy Lara Rodeuse fin à la France en octobre dernier pour peaufiner sa préparation. Il y a actuellement PFA une série compétition dans une tournée européenne. Plusieurs grands rendez-vous Piatani, Jeux francophonie en juillet dans République démocratique Congo et juste après Buena Jeux des îles Madagascar août septembre. Nous spécialistes 110 mètres et l'IP aussi Roden qualification pour 19e championnat du monde qui peut faire dans Budapest, Hongrie 19 au 27 août cette année-là. Manchester City in gagne Champions League hier, première fois dans son histoire. L'in bat Inter Milan 1-0, un match qui est capable de suivre l'OMBC. Manchester City vient ainsi 23e l'équipe qui finit inscrit à ce nom, l'Osa Coupla. C'était une saison extraordinaire pour Man Citizens. Zotin fait tripler, Premier League, FA Cup et aussi Champions League. Retour, l'Osa match là. Zotlo bon cimé. C'est ainsi que les papes François ont qualifié l'élite pour décolonisation Maurice et aussi retour banchagossien l'Ozotil natal. C'était pendant une brève rencontre entre les papes et qu'une délégation chagossienne dans Vatican mercredi dernier, banatizouenli zis avant sous hospitalisation. Une photo qui dit beaucoup plus qu'un long discours. Dans Vatican, mercredi 7 juin, une délégation comprenant des membres de la communauté chagossienne finit une brève audience avec le pape François. Une rencontre brève, mais qui tient de taille. Olivier Bancoult, président groupe réfugiés Chagos, finit informe le Saint-Père des derniers développements dans le dossier Chagos et finit remettre une copie du livre Maître Philippe Sands, The Lost Colony, qui retrace souffrance la communauté chagossienne. Aujourd'hui, mon camarade Yahou qui est une fierté pour moi, qu'à Vatican, Pédia nous comme ça, qui concourt, nous représente l'espoir
des bandits qui nous déplacent, nous représentent l'espoir des bandits qui encore peuvent subir l'injustice pour vivre aux autres îles. Ça, c'est une grande fierté pour nous, pour montrer notre détermination. Le pape lui-même vient dire nous comme ça, il connaît l'histoire, il connaît l'histoire, et il pense qu'il nous donne le bon chemin, et il est important qu'il nous gagne soutien de l'État, pas l'autre qui la République de l'île Maurice. Accompagné de Mgr Yann Ernest, représentant personnel de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège et du père Gérard Mongélard, délégation là finit une plaisir rencontre avec les autres responsables Vatican. La réhabilitation de tombe et de l'ancienne église dans l'archipel finit aussi discutée. En ce mois de juin 2023, nous commémorons les 50 ans de l'arrivée des derniers déportés de l'archipel des Chagos à Maurice. Entre 1967 et 1973, environ 2000 Chagossiens furent exilés de force de cette île natale. Un épisode douloureux pour sa population-là, banni de la terre de cet ancêtre pour permettre l'installation de la base militaire américaine avec SIPO au gouvernement anglais. Ça fait 50 ans qu'ils ont fini expulsés de la case et 50 ans qu'ils ont payé la guerre pour retourner. Je suis née dans sa gosse, je suis grandi dans sa gosse, je suis mariée dans sa gosse. Nous, comme ça, nous avons besoin de quitter, est-ce qu'ils vont nous vendre? Nous ne pouvons pas rester. Et là, nous avons dit de suite, nous avons dit oui. Nous avons oublié, est-ce qu'ils nous appartiennent? Non, bâton à aller, ni d'ici, ni médecine, ni un nurse, ni un docteur. Je suis allé à la famille de 6 mois. Je suis obligé de venir. Je suis visité en 2006. Quand nous avons visité pour nous nettoyer nos cimetières, nous nettoyer nos l'église, tout nous finit abandonné. Depuis le cimetière, depuis l'église, tout nous finit abandonné. Seulement nous faisons une manière de nous nettoyer pour nous faire la prière dans l'église. Nous allons nettoyer les tombes, nous mettons un petit flair contre nos familles. Mais seulement un coco de panne nous casser pour nous boire. Nous disons non. Un coquillage, vous n'avez pas nous ramasser la place. Vous dites nous, non. Apparemment. Ce n'est pas bon. Et pour ça? Oui. Là, à Diego aussi, nous allons dans Diego pour nettoyer le cimetière. Vous amenez nous, vous êtes derrière nous, vous êtes les chiens partout. Nettoyez le cimetière, montez à vos bateaux. Et la droite porte, à cause de la base. Après l'année de combat et de victoire à l'Assemblée générale des Nations Unies et au tribunal de l'AE, une rencontre de haut niveau et l'engagement et combat Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, l'Angleterre avec Maurice fin décide pour entamer une discussion sur la souveraineté de l'archipel des Chagos l'année dernière. C'est le gouvernement mauricien fin d'insister qu'il est pour lutte jusqu'au bout pour gagner la souveraineté mauricienne de Chagos et retour chagossien aux autres îles natales. Après premier voyage organisé par le gouvernement mauricien depuis l'indépendance en février 2022, ben l'autorité peut prévoir déjà l'organisation prochaine. C'est un voyage que nous pouvons aller avec une préparation, avec un ingénieur, surtout concernant l'infrastructure. Avant qu'il y ait un déplacé par le Sagos, il y a une infrastructure sur place. C'est ça que nous comptons, que le Premier ministre finalement aussi dans le budget, qui prenne ça, et nous perdons le moment. Dans un rapport avec une vidéo qui fut publiée en février dernier, Human Rights Watch l'a qualifié de crime contre l'humanité, déplacement forcé du peuple chagossien par le gouvernement anglais et américain, ainsi qu'il maintient de l'interdiction qui finit faire à ban chagossien pour retourner côte zut. En attendant un dénouement historique, gouvernement mauricien avec collaboration sa peuple déraciné avec ce ban descendant-là pour continuer pour militer pour le droit de retour de ban chagossien aux autres îles natales. Depuis mars dernier, niveau général, le prix de Maurice continue de baisser. Eh bien, nous pécose là, le headline inflation mensuel qui la Banque centrale a publié, gouverneur BOM, Hervish Sigulam, dit qui, selon ce banc de prévision, Maurice peut terminer cette année-là avec un taux d'inflation 6,8% et qu'en 2024, l'inflation pour continuer de baisser dans le pays et les pour situer entre 2% à 5%. Nous faisons le point.
La Banque de Maurice et FinFEC a publié sur ce site Internet que l'inflation à fin mai 2023, les fins descendent à 10,6% contre 10,9% à fin avril 2023. Sur évolution au cours 12 derniers mois, les comme suit, jusqu'à un pic 11,3% en février 2023 et que depuis mars dernier, l'inflation fin baisser continuellement. Sa tendance baissière là pour continuer, selon le gouverneur de la Banque centrale, Hervé Sigoulam, la BOM qui fin opter pour une politique monétaire restrictive avec le taux directeur depuis l'année dernière, et que ça, pour contrer, entre autres, une pression inflationniste. Nous avons un inflation target qui est maintenant explicite, pas tenant un explicite inflation target dans le pays avant. La valeur du jour, nous paye forecast au niveau de la Banque de Maurice, qui nous pour finir cette année-là avec une inflation de à peu près 6,8%. En 2024, l'autorité monétaire répond nous que le nouveau cadre de la politique monétaire qui est en vigueur depuis janvier dernier lui pour permettre pour amener le taux d'inflation dans la fourchette saine de 2 à 5% comme ciblé par la Banque de Maurice. Le healthy range pour Maurice nous détermine, ensemble avec l'AMF d'ailleurs, nous détermine entre 2 à 5% avec un mid de 3,5%. Alors, l'année dernière, nous terminons l'année à 10,8% d'inflation. Ça, l'année là, comme on dit, nous pouvons faire 6,8%. Et l'année prochaine, nous pouvons within our target de 2 à 5%. Le plan international aussi, l'inflation peut retenir tout particulièrement l'attention. Selon le Fonds monétaire international, l'inflation peut ralentir. La Banque du Canada explique cette tendance à la baisse pour une nouvelle fausse mondiale, comme le prix de main produit de base qui peut replier, tout comme main frais de transport, alors que main chaîne d'approvisionnement peut retrouver cette efficacité. Le FMI peut prévoir que l'inflation globale les pousse 7% en 2023 et 4,9% en 2024, un niveau qui est légèrement supérieur à un niveau dans Maurice, a signalé que la stabilité des bains de prix à Maurice les pour l'agenda de la prochaine réunion du Monetary Policy Committee qui prendra lieu ce jeudi 15 juin 2023. À 19h13, nous proposons la quantité de touristes qui viennent dans Maurice, mais ici avant ça, un mot propose où ça réclame là. Incroyable mais vrai. Jusqu'au 30 juin, pour chaque troisième achat que vous réglez avec votre carte de crédit ou débit SBM Visa, vous participerez automatiquement à un Lucky Draw. Et vous pourrez gagner 1 500 000 roupies ou 10 000 roupies de course chaque mois pendant un an. Oui, tout simplement en faisant votre shopping avec votre carte de crédit ou débit SBM Visa. Et quand on vous dit shopping, ce n'est pas uniquement dans les magasins. C'est aussi valable pour les fast-foods, pharmacies, stations-service, supermarchés, etc. La SPM opère sous licence de la BOM. Pendant un deuxième mois d'affilée, Maurice Singaud sous première place comme destination à longue distance, plus préférée pour ban français. Ban perspective pour secteur touristique paraît bien prometteuse selon ban statistiques. Par exemple, le mois dernier, plus qui 100 000 touristes infini vin Maurice. C'est une jolie performance comparée à l'époque avant Covid. Secteur tourisme lié en plein essor avec une performance bien plus meilleure comparée à même période qui fin précède pandémie. Ban chiffre concernant ban arrivée touristique dans l'île pour deux derniers mois, zot la preuve, notamment avec 109 031 touristes qui fin visite pays au mois d'avril cette année-là, compte 108 565 en 2019. Pour mois mai, cette année-là, ban chiffre tourne autour de 100 000 30 comparé à même période avant pandémie, c'est-à-dire 96 814 en 2019. Murchest Rhythm Promotion Authority peut maintenir ce ban effort marketing pour ban différents marchés. Maurice, pour le deuxième mois consécutif, il conserve la première place, c'est-à-dire comme destination long courrier préférée des Français. Là, pour le moment, nous pouvons continuer à consolider nos assises, nous pouvons marcher fort. Et aussi, on connaît mai à septembre, c'est la basse saison, nous pouvons exploiter aussi nos marchés d'opportunités. L'Espagne, on a en tête l'Inde, l'Arabie, le Moyen-Orient et aussi l'Europe, donc l'Europe centrale, l'Europe de l'Est aussi, qui peut continuer à mettre une forte croissance. La semaine prochaine, ban partenaire concerné pour aller consolider cette assise dans Londres. Nous en déplacement à Londres justement pour rencontrer tout ban gros opérateurs, la presse aussi. Donc, comme vous connaissez, Air Mauritius peut mettre un quotidien à partir d'octobre de Londres pour stimuler le marché anglais.
Week-end dernier, Maurice s'est fait gagner l'honneur pour accueillir un congrès d'une entreprise de voyage, plus qui 500 professionnels européens de tourisme, ainsi qui ban membres. La presse s'est réunie pour discuter de la stratégie touristique du futur. Couverture médiatique à l'événement-là fin permet d'accroître davantage visibilité nos pays avec accent le tourisme durable et que tourisme médical. Azourdi, c'est fête Saint-Sacrement, aussi connue comme fête de Dieu, c'est un zoo pour commémorer présence l'écosésie et qu'aussi le sang du Christ dans l'Eucharistie, paroisse Saint-Patrick et que Sainte-Anne, il fait une procession à Azourdi, un moment en prière pour reconnaître présence Zézi. Pine rythmé sa procession solennelle à travers aux îles, à l'occasion la fête Dieu. Accompagné ban fidèle, Père Fabien, paroisse Saint-Patrick, et que Frère Jean-Paul, paroisse Sainte-Anne, fin converge vers terrain football, trèfle pour la messe. La procession nous rappelle toujours la marche du peuple dans le désert pour venir à la terre promise. Notre terre promise, c'est cette communion entre nous, et c'est ça que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes venus nous rassembler, nous tournons ensemble. L'occasion pour ban fidèle renouveler zot la foi en Jésus-Christ présent dans Saint-Sacrement. Ça aussi est un moyen de rappeler l'importance fraternité mais aussi partage. C'est un sacrement qui est très important. C'est le corps et c'est le corps vivant de Jésus ressuscité. La messe avec tout le monde, des paroisses avec, ensemble, c'est avec la communauté qui nous trouve dans Saint-Patrick, dans Saint-Anne, Stanley et Trèfle. C'est ça que nous vivons, que nous vivons en famille. Moi, du monde qui me content prier, me content être du monde, mais ça, n'est pas venu comme ça, mais bizarre, quelque chose pour dire, il y a qui pousse moi à faire ça. Cela, c'est bon Dieu qui donne moi ça la force là. Nous avons une reconnaissance, qui nous donne bon Dieu la terre, qui dans un moment de souffrance, il est là toujours pour nous. Aujourd'hui, c'est ce fait, c'est nous les qui nous venons rendre une grande grâce. Faites Dieu ou faites Saint-Sacrement. L'occasion pour ban fidèle commémore la présence réelle, Christ, dans sacrement l'Eucharistie. À travers ban chant, lecture la Bible et ban la prière, l'importance de l'Eucharistie dans la foi catholique met en avant. La suite, Sazouna l'a après sa réclame. Incroyable mais vrai. Jusqu'au 30 juin, pour chaque troisième achat que vous réglez avec votre carte de crédit ou débit SBM Visa, vous participerez automatiquement à un Lucky Draw. Et vous pourrez gagner 1 500 000 roupies ou 10 000 roupies de course chaque mois pendant un an. Oui, tout simplement en faisant votre shopping avec votre carte de crédit ou débit SBM Visa. Et quand on vous dit shopping, ce n'est pas uniquement dans les magasins. C'est aussi valable pour les fast-food, pharmacies, stations-service, supermarchés, etc. La SBM opère sous licence de la BOM. Un piqué à moustique bien enserré. Protezou et Oufami contre Maloya, Chikungunya et Dengue. Palais moustique, Boaudissant. C'est une campagne, ministère de la Santé et que bien-être. Déo, gros l'appli dans des pays l'Asie pendant sa semaine-là. Dans Pakistan, hier, au moins 25 dimouninmo. Après, qui finit l'appli dans l'Ouest, sa pays-là. Fin aussi, il y a 145 blessés. Et puis, dans la Chine, fin y a ban l'appli torrentielle. Et aussi, inondation. Plisier la case, in effondré. Zorb, in déraciné. Et ban colonne courant, in tombé. Dans la ville Beihai, in gay 400. 53 mm l'appli Enrico qui égale à même quantité l'appli dans un an dans Pékin. Nous guette météo, situation générale. Et un divan lésé à modérer l'eau région. Par ailleurs, et un bagnaz depuis l'Est qui peut influencer les temps locaux tôt dans la nuit et que demain. Prévision pour prochaine 24 heures. Pour faire beau temps en général dans la soirée, tôt dans la nuit, les ciels pouvaient parfois niaiser, principalement
l'Est, l'île, et aussi le banc terrain élevé avec ban gros l'appli. Demain, les ciels pourraient se mi-couvrir à Niazé avec ban gros l'appli, principalement le moitié est de Maurice, et aussi le banc terrain élevé, la mer poisite en déo brisant avec vagues environ 2 mètres. Soleil pour lever demain 6h41 et que coucher soleil 17h37. L'information finit ici. Merci pour l'attention. Madame, ici, bonsoir.